C'est bien ce début de vacances, Tom? Après ton petit déj à 12h30. Oui, oh bah c'est classique, hein. Moi je serai en vacances jeudi soir. Comme il y a une baisse de charge de travail, je suis en modulation et donc j'ai pris mon vendredi. Comme ça, je suis en vacances plus tôt. Tu t'es levé à 14h30, ouais d'accord. Tu t'es couché à quelle heure surtout? Heures du mat. Bah tiens, t'as dû passer la nuit sur ta simulateur. Ah ben bravo. On va se coucher quand on est fatigué. On peut peut-être descendre mercredi, jeudi, vendredi. Bon choix. C'est les vacances. Hop. Je vais une nouvelle partie. Oui. J'ai dû le lancer à nouveau pour faire les réglages. Intro Cooper Mott, eh ouais! Plus haut, Sam! Bonne nouvelle, Max! Je crois que je viens de donner naissance à une belle hernie! Plus haut! Je l'ai! Je l'ai! Ah. Allô? Commissaire? Oh non, d'un poisson-chat à casquette! On arrive! Est-ce qu'il a reçu les notes que je lui ai envoyées? Ouais, mais il te fait dire d'arrêter de les graver sur les suspects, il n'arrive pas à les lire, son jumelle. Et si j'écris plus gros? Laisse tomber, Max. Nous sommes après la plus terrible association de crimes organisés qui existe en ville, la mafia des jouets. Les tueurs sanguinaires qui n'ont aucun respect pour la vie humaine, mais adorent les jouets d'enfants. Eux-mêmes. Je les adore. Le commissaire a des raisons de penser que le QG secret de la mafia des jouets se trouve dans un endroit absolument insoupçonnable. Le casino salle de jeu de Teddy Bear. C'est l'endroit le plus insipide du monde. Ça alors? Ça va pas être de la rigolade, petit. C'est une opération de sauvetage. Une taupe a été infiltrée là-bas par le commissaire et elle s'est pas manifestée depuis des semaines. Notre boulot, c'est de prendre contact avec elle et éventuellement de l'aider. C'est une grosse taupe avec des yeux noirs en bouton ou une toute petite taupe? Aucune idée, mon petit Max. Pour prendre contact, on doit utiliser le mot de passe et ce que le tapis est assorti aux tentures. Et qu'est-ce qu'il répond? Il dit « jamais de la vie »,
et il me donne une gifle. Super, on y joue. Ok, direction le casino. Alors avant, j'ai vu un truc. Hey, un as! Une carte dans la manche, ça fait jamais de mal. Sauf si l'autre s'en aperçoit et décide de te truffer de plomb gros caillou avant de jeter ton corps mutilé dans un terrain vague. Ah ouais, on pas dans ce cas-là. On en parle de la forme du lapin, là, fait avec des trous de balles, avec une balle en plein milieu. Jimmy dedans, fourgue. Dedans, fourgue? Oh, c'est la première fois que je tombe sur un rat avec un nom à particules. La première fois. C'est dedans, virgule, fourgue. Ils revendent la marchandise volée. Dégagez! Vous gênez la clientèle! Quelle clientèle? Jimmy dedans, fourgue. Dégage! Bon, on sait qu'il y aura un truc à faire avec lui. Donc là, on met tous les trucs des anciens épisodes. Très bien. On commence depuis 5 minutes, on part déjà de trous de balles. Max, il repasse nature, chasse et métrosexuel. Vous allez avoir besoin d'un bon dentifrice. Coupe ça! Oh, je déteste le son de ma voix enregistrée. Ça me ressemble pas. Salut Sam, c'est toi-même. N'oublie pas d'écouter tes messages sur le répondeur et fais une bise à Max de ma part. Alors d'abord on va aller au magasin, voir c'est quoi l'objet gratuit qu'on peut avoir. Comme ça on l'aura déjà sur nous. Le Alien Love Rectangle Post. Je ne me doutais pas qu'il régnait une compétition aussi féroce entre les tabloïds de polygones amoureux aliens. Est-ce que c'est... Ouais, ils ont enfin rempli les distributeurs de bonbons avec des antidépresseurs. C'est déprimant. Hey Bosco. Jolie ta crêpe. Caramba, muleta, y toro, qui est-ce, c'est Bosco? Hey, les gars, c'est moi, Bosco. Non. Oh mais appelez-moi Ramon Calzoni Tiempa et Saucisson, ancien torero végétarien. Alors Bosco, pourquoi es-tu devenu espagnol? Mais ils ont réussi à percer à jour mon déguisement anglais. Mais je sais pas comment ils ont fait. Qui? La mafia! La mafia des jouets! Ils en ont après moi! Prenez un ticket les gars! C'est marrant, mais avec le béret j'aurais plutôt dit qu'il jouait en français, mais bon... Et quel genre d'atrocité innommable est-ce que cette mafia a commis contre toi? Rien, nada, pour l'instant. Mais je sais ce qu'ils préparent. Et c'est terrible. Est-ce qu'ils comptent t'attacher, te scotcher les paupières ouvertes et te mettre nature chassée métrosexuelle à la télé? Mais non, rien d'aussi terrible. Il y a des raisons de croire qu'ils projettent de livrer quelque chose dans mon magasin. Encore une conspiration de livreur. Qu'est-ce qu'une bande de brutes assoiffées de joujou pourrait vouloir déposer ici? Eh ben, je sais pas. C'est du vin rouge, mais peu importe, ils ne pourront jamais livrer quoi que ce soit dans mon magasin où ils ne m'appellent plus Ramon Calzoni n'y tient pas, ils sont si ça. Mais tu t'appelles pas Ramon Calzoni? Les chanteurs, ça, ils ne le savaient pas. Qu'est-ce qui empêchera la mafia des jouets de venir livrer? Parce qu'ils surveillent toujours. Ils ne pourront pas passer. Bien sûr, Weezer non plus pouvait pas passer. Et de deux, même s'il passe, c'est un deuxième niveau de défense. La plus grande invention que le monde ait connue depuis, le SDABT. Le système de détection des apports Boscotech. Ça fait quoi comme nom? Ça fait aussi SDABT. C'est les SDABT numéro... Comment il marche, le SDABT numéro dos? D'abord, para empezar, il y a la caméra anti-livraison. Elle alimente toutes les bases de photos de tous les objets que je garde dans mon magasin.
comme c'est peu pratique. Si quelque chose est placé dans les magasins que la caméra anti-livraison ne reconnaisse pas, il est jeté dehors. Et vive Espagne! Le tapis est assorti aux tentures? Mais il m'en fiche, moi, qu'est-ce que les tentures? Ramon, il s'intéresse pas aux histoires de femmes, hein? Ramon, il mange les saucissons! Fuerto! À plus tard, Bosco. Je ne connais pas ce Bosco dont vous parlez, mais si je le vois, je le saluerai et lui offrirai un saucisson. Bon, il n'y a rien à vendre. Il n'y a rien en solde. La caméra anti-livraison. Bon, pour l'instant, je pense que... C'est du pain de mie. On va aller voir vite fait la nana du... C'est juste là. Bonjour Sam. Bonjour Max. Eh, hey, mais c'est notre reine du zapping professionnel préférée. Cette fois, j'ai trouvé ma voie. Je suis devenue témoin professionnel. Qu'est-ce que c'est un témoin professionnel? Oh, c'est super. On fait des témoignages émouvants, on est séquestré dans des palaces et on abuse du room service au nom du droit et de la justice. Ouais, en fait, tu t'enrichis sur le dos de notre système judiciaire déjà trop complexe. Ça vous pose un problème, monsieur le policier freelance? Oui, pourquoi n'y avait pas pensé avant? Il te traumatise depuis le premier épisode. C'était quoi ça? Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir témoin professionnel? Publier l'Alien Love Triangle Times m'a beaucoup appris sur la vérité. La vérité est ailleurs, très loin? Exactement. Et puis un jour, j'ai été convoqué comme juré, et le reste est venu tout seul. Qu'est-ce que tu comptes faire après? Oh, il n'y a pas d'après. Je compte bien rester témoin professionnel. Oui, il reste encore deux ou trois épisodes. À mon avis, elle attend de changer. Et déjà sur une affaire? Non, mais j'attends un appel du procureur. Il m'a dit qu'il avait une affaire qui me convenait tout à fait. Ça ne te gêne pas de découvrir l'affaire avant de témoigner dedans? Pas le moins du monde. Le problème, dans la plupart des cas, c'est que les témoins ne sont pas préparés à ce qui leur arrive. Où ils n'ont pas les compétences pour retenir les faits et les relater fidèlement. Avec mon expérience et toutes mes compétences, je suis faite pour ce travail. C'est logique. Ça devrait me faire peur. Probablement. On repassera, Sybille. Salut les gars. Gardez un œil sur la vérité. Triple meurtre à l'asperge, apocalypse. Le cuisinier assassin mijote en prison. Un jouet en plus géant suspecté de conspiration. Triple meurtre à l'asperge, apocalypse. Où on va, Sam? Au casino salle de jeu de Teddy Bear. Super! Bienvenue au casino et maison de jeu garantie sans mafia de Teddy Bear. Ah! Quelle tête! Je m'appelle Lovi Bear. On a de quoi vous amuser à l'intérieur. Tenez, prenez ces quelques jetons en signe de bienvenue et d'incitation à dépenser beaucoup d'argent. Nom d'un ursulé domestique, Max.
L'ovibert a exactement la même tête que le nounours hypnotiseur du talk show de Mayra. Tu crois que le nounours a une portée de petit gigantesque? Je ne sais pas, Max. Appelle ça de l'intuition canine. Mais je crois que notre taupe a découvert quelque chose qu'elle n'aurait pas dû sur ses ours. Faut la retrouver et découvrir le fond de cette affaire. Vous avez de la chance que ce masque n'ait pas de trou pour les oreilles. J'ai entendu la conversation secrète que vous tenez devant moi. Qui? Pardon, j'écoutais pas. Vous donnez des jetons à vos nouveaux clients? C'est exact. Allez, amusez-vous, vivez. Commercialement, ça me paraît une mauvaise idée. Ok, j'explique. D'ici une douzaine d'heures, quand vous serez en train de taper votre copain pour payer vos dettes, on reparlera de mauvaises idées commerciales. Ok, on reviendra à ce moment-là. Il paraît que vous avez un problème de taux. Hé, hey, qu'est-ce que vous racontez? On n'a même pas de jardin. Non, de moi. Je suis trop subtil. C'est bien la première fois. Je devrais me limiter au mot de passe. Le tapis est assorti aux tentures? Si Don Teddy Bear le dit, c'est que c'est vrai. Don Teddy Bear? Ben, je croyais qu'il n'y avait pas de mafia ici. C'est vrai, on est 100% sans mafia. Pas de mafia, nulle part. Entrez donc. Pas de mafia, il a le costume rayé, l'autre avec son air mafioso. Merci, la vibère. Amusez-vous, et n'oubliez pas, si vous ne perdez pas, on ne gagne pas. Regarde, Max, c'est un jeu de fête foraine version mafieuse. Qu'y a-t-il de plus reposant que d'exploser des rats de la manière la plus violente possible? Note, merci d'apporter vos propres armes. On les a toujours sur nous. Insérez un jeton pour jouer. Claquons quelques balles. Je souffre. Les rats vont surgir des trous, tu vois? Si le rat ne dit rien, tu les touches pas. Mais s'il se met à chanter, tu lui colles une bastos dans les carafons, capiche? Allez, amusez-vous. Un peu! Ma conseillère d'éducation au lycée avait raison. J'aurais dû devenir porte-flingue pour la mafia. Regarde le prix! Comme il était dit, c'est un magnet pour frigo Teddy Bear qui ne vaut rien. L'as de la gâchette. Je cherchais quelqu'un avec une plaque de métal dans la tête pour lui décorer le front. Oh, Max, tu trouves toujours le bon côté des choses, toi, hein? C'est vrai. Allez, on va descendre quelque chose. Bonjour, croupier avec une tête d'ours qui fait peur. Salut, je suis Ked Libère. Vous faites une partie? J'ai pas visé Glaoui, non. Le tapis est assorti aux tentures? Vous faites une partie? On a demandé les premiers! Vous faites une partie? On voudrait devenir accro au jeu à compter de maintenant. Qu'est-ce qu'on a là? Je dirais qu'un cirque est en ville. Mais je suis sûr qu'il n'arrive que vendredi. Vous devez être là pour jouer. Ça dépend. On joue contre qui? Je m'appelle Steak Charmer. Léonard Steak Charmer. Et je n'ai pas ramassé 10 millions en ayant seulement de la chance. Comment vous les avez gagnés? En trichant? Dis donc, lapin, Léonard Steak Charmer n'est pas un tricheur. C'est le meilleur, c'est tout. Ok, c'est quoi les règles, Steak Charmer? On va jouer au plus difficile. Le poker indien. Comment est-ce qu'on joue au poker dans sa variante indienne? Hé, hey, on sait qu'on a ses chances quand son adversaire ne connaît même pas les règles. Vous ne vous êtes jamais dit qu'on était peut-être des tueurs comme joueurs? Le genre aux dents longues pour bouffer ceux qui ont trop confiance en eux? Peu importe, c'est facile. On reçoit chacun une carte qu'on pose sur notre front sans la regarder. Comme ça, on voit la carte de l'adversaire, mais pas la sienne. Tu l'as dit, Bouffy. Ne m'appelez pas comme ça. Ensuite, vous misez si vous croyez avoir une carte plus forte ou vous vous couchez. C'est tout? Ouais. Ensuite, on regarde qui a la plus forte et je gagne, comme toujours. Présenté comme ça, on serait idiot de ne pas essayer.
Léonard Steckcharmer, hein? N'avez pas une tête à vous appeler Léonard Steckcharmer? Ah bon? Je ressemble à quoi alors? Plutôt à Boris Crinkle. On me le dit tout le temps. Vous êtes vraiment indien? Ouais, du pur jus. Comme dans « Je vous avais prévenu ». Je vais le tuer! Pas encore. Comment vous faites pour trouver des adversaires? Non mais franchement, vous avez l'air louche. J'offre de grosses mises et j'ai un charme subtil. Désolé d'avoir à vous dire ça, mais subtil et inexistant sont deux mots différents. Peut-être que charme est un euphémisme pour dents pourries. Je suis là pour jouer au poker. Vous montez un numéro ou quoi? Léonard, vous donnez un sens nouveau à l'expression « un visage que seule une mère peut aimer ». Ma maman disait que j'étais beau. Ouais. Alors, on a une carte, c'est quoi? C'est l'as de pique. On voudrait se faire la main sur une partie de poker indien. Vous n'allez pas le regretter. Je veux dire, je ne vais pas le regretter. Oh, toi et ton partenaire essayez de me rouler et je vous descends tous les deux. Ça me semble correct. J'ai 10 millions de jetons qui disent que j'ai une meilleure carte que vous. Je mise tout. Non, d'une deuxième hypothèque sur ma résidence secondaire. On peut pas suivre. Écoutez-moi bien, le Klebs. J'ai tellement confiance que je mise à 10 millions contre un. Pariez un seul jeton et vous pouvez empocher toute la mise. C'est très avantageux comme offre. Non, pas du tout, le chien policier. Parce que je ne perds jamais. Alors, on suit ou on se couche? Il y a un 10, lui. Bah, on passe, parce qu'il faudrait, qu'on utilise notre as, mais... Oh oui, je bois en sang. Quelqu'un a parlé de sang. Je gagne encore. Celle-ci est pour toi, maman. Le tapis est assorti aux tentures? Non, elles sont tachées de nicotine. Glauque et candide à la fois. J'aime bien les joueurs comme ça. Mais pour vous, on va faire une exception. Bon, ça suffit pour l'instant. Ok. Mais j'aurais juré que vous étiez un chien, pas une poule mouillée. C'est une erreur fréquente. Ça lui plairait, mais pas sûr que ça me plaise à moi. Mais reviens là. Vous voulez un as de plus? Tous nos jeux en ont déjà 5. Les joueurs apprécient beaucoup. Mieux vaut ne pas parler de l'as que j'ai dans ma manche. Alors, faut trouver un moyen de l'utiliser, cet as. Un bandit manchot, insérer un jeton pour jouer. T'as vu, Sam? C'est un jeu de mots sur le nom qu'on donne aux machines à sous. Chez Teddy Bear, qu'est-ce qu'on s'amuse? Brûlez. Nom de la sainte patronne des accros au jeu. On a gagné! Oui, on a gagné! Mais y a rien qui tombe! C'est la faute de Teddy Bear. Pour lui, un bandit manchot, c'est à prendre au premier degré. Minute! Quel est le mot de passe? Ici, y a personne. Véritable sandwich à la viande de Teddy Bear. Il a l'air bon. Le véritable Teddy Bear a fait ce sandwich avec ses propres pattes en 1957. Les micro-organismes qui donnent leur touche exclusive au sandwich Teddy Bear d'aujourd'hui sont tous issus de la colonie originelle contenue dans ce sandwich. Coupé. Je ne crois pas que ça accepte les jetons. Mince. Ça s'appelle aussi Bandit Manchot. Je pense, ouais.
On ne passe pas. Mais je suis Max. Vous pourriez être l'ours Paddington. Personne ne passe sans le mot de passe. Ah, d'accord. C'est quoi déjà? À vous de me le dire. Le tapis est assorti aux tentures? Je sais pas. Les tentures, j'y mets le feu. J'adore voir des trucs brûlés. Hé, hey, moi, c'est pareil. Regrette d'avoir demandé. Le mot de passe est Espadon. Non. Le mot de passe est Tifortou. Non. Non. Le mot de passe est mot de passe. Non. Non. On va revenir. M'en fiche. Buffet fermé pour changement semestriel des plats. Désolé, Max. Ah. Alors, comment on peut gagner contre lui? C'est un canard cendrier en plastique. Laisse la mafia des jouets faire joujou. C'est une horreur. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça ou pas? Le magnet ne va pas ici. Le magnet. Après, on peut peut-être aller parler à... Je devrais le garder pour moi. À la souris, là. Dans le bureau. Le magnet ne va pas ici. C'est flippant, ça. Hey Jimmy, on vient pour acheter. Oh non, bon, je vous vends rien. Vous allez revenir pour vous faire rembourser et me balancer d'une falaise. C'est assez juste. Hey Jimmy, on a des choses à vendre. Oh non, je veux rien de vous. Vous allez vouloir récupérer vos trucs et vous allez me balancer d'un pont. C'est pas faux. Hey Jimmy, on a des choses à vendre. Descartes. Ok, bon, c'est pas lui. Myra Stump choque son public avec sa nouvelle coiffure. Eh ben, pour une journée calme côté nouvelles... Je ne parle pas des infos, Sam. Je les fabrique. Qu'est-ce qu'on peut acheter pour une poignée de jetons de casino et des bouts de fil? Plus de bouts de fil. Non, merci. Je devrais le garder pour moi. Mieux vaut ne pas parler de l'as que j'ai dans ma manche. Halte là, essayez-vous de livrer quelque chose? Je vous surveille, hein? La
la caméra anti-livraison. Pain allégé. C'est du vrai polystyrène? Non, du polystyrène artificiel. Halte là, essayez-vous de livrer quelque chose? Je vous surveille, hein? Non, non, je sais pas de livrer. Bon. On veut faire des courses. Si, si, seigneur. Qu'est-ce que t'as? Aïe, caramba! Derrière le comptoir, j'ai la dernière innovation de chez Boscotec. Un bidulator de chocolado. Et c'est bien? Si, si. Il est appelé le matériel d'écoute miniature. Ça se cache dans une banderie ou sous une moulette. Que faire? Ça écoute. Et vous pouvez l'utiliser pour écouter les conversations secrètes. Non. Oui. Ok, seigneur Calaisone. On prend votre matériel d'écoute miniature. Le prix est de... 10 millions de dollars. 10 millions? Minute. C'est 10 millions en faux dollars mexicains? Ou 10 millions en vrais dollars? Mais en vrais dollars, les faux dollars, ils sont baissés sur les marchés en ce moment. Bon, faut qu'on gagne au casino. Zout! Pour gagner au casino, il faut qu'on puisse utiliser notre as. Je sais juste pas comment. Tu veux un peu de fric? En jetant de casino? Merci, mais ma carrière se présente bien. Ça va aller. Tu connais la thérapie par magnétisme? Charlatanisme. Bon, c'est pas ça. Alors, retournons au casino. Où on va, Sam? Au casino salle de jeu de Teddy Bear. Super! Bienvenue au casino et maison de jeu garantie sans mafia de Teddy Bear. Entrez les jeunes, on s'amuse, on rigole. Est-ce que je peux y rejouer? Wake the rat! Insérez un jeton pour jouer. Ah, je peux en avoir besoin au casino. C'est un canard cendrier en plastique. Laisse la mafia des jouets faire joujou! Le magnète ne va pas ici. Non, ça passera pas à l'os. Je devrais le garder pour moi. Je devrais le garder pour moi. Un petit extra, ça vous intéresse? Comme je ne vous ai pas vu gagner, je ne doute pas que ça soit un tout petit extra. Allez hop, Massachusetts. Refais ça, le cave, et on va te faire tellement de trous que ton pote pourra y ranger sa collection de paille. Vous pourrez les faire assez petits pour qu'on puisse écouter les pâtes. Je crois que j'ai perdu la passoire. Je vais ranger ce revolver et mettre un point d'honneur à ne plus jamais refaire ça.
Ça vous va? Bon, mais ils sont pas de la mafia, hein. Vous en demandez de l'humiliation en public? Encore un peu, oui. Top là. Très bien. Bien, 4. Je me couche. Ben, on parie plus les 10 millions? Non. Je sais toujours quand j'ai la carte la plus faible. Appelez ça mon sixième sens. Ou mon septième, si on compte mon sens de l'humour. On le compte pas. Eh ben, à ce rythme-là, on n'est pas près d'être riche. Fais signe si tu veux un indice. Je fais signe. Bon, les jetons sont illimités, on va... Hop là. Très bien. Il y a quoi, un 10? Je parie mes 10 millions, et vous ne pariez qu'un seul jeton. Alors, on suit ou on se couche? D'accord, on mise un jeton. Désolé, Clébard, je gagne. Steakchammer gagne. Maman avait tort, le jeu, ça paie. Vous aurez peut-être plus de chance la prochaine fois, mais il faut plus que de la chance pour me battre. Oui, il faut au moins un bon gros gourdin en chaîne massif. Tout est dans son regard. Alors. Hop là. Très bien. Me couche. On sera jamais riche à ce rythme-là. Top là. Très bien. C'est ou un 10 ou un 4, alors... Je parie mes 10 millions et vous ne pariez qu'un seul jeton. Alors, on suit ou on... Il se concentre sur un truc, ouais, regarde sur un truc à côté, là. Ça passe. Je gagne encore. Celle-ci est pour toi, maman. On va revenir. N'oubliez pas de venir avec votre fric. Jette un coup d'œil sur un truc qui serait par là. Un bandit manchot. Insérez un jeton pour jouer. À part ça... C'est un canard cendrier en plastique. Laisse la mafia des jouets faire joujou. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? Pas de ce côté? De temps en temps, il jette un regard par là, mais... Vous en demandez de l'humiliation en public? Encore un peu, oui. Hop là. Très bien. Qu'est-ce qu'il essaie de voir? Je me couche. On sera jamais riche à ce rythme-là. Vous devez voir un miroir quelque part. Bon, ça suffit pour l'instant. Ok. Mais j'aurais juré que vous étiez un chien, pas une poule mouillée. C'est une erreur fréquente. Quelque chose que je vois pas, moi. Ça, c'est un écu. Ah ! Presque autant que le tien. Continue, et le tien va briller encore plus. Alors... Le magnet ne va pas ici. Je ne crois pas que ça accepte les jetons. Qu'est-ce qu'on pourrait y mettre là-dessus?
Ah, ça colle. Donc il va croire qu'il a un as sur le crâne. Ok. Vous en demandez de l'humiliation en public ? Encore un peu, oui. Top là. Très bien. Sauf qu'il a un 4. Je parie mes 10 millions et vous ne pariez qu'un seul jeton. Alors, on suit ou on se couche ? D'accord, on mise un jeton. Hé, hey, désolé, Fido, je gagne. Le chien gagne. Quoi ? Vous avez triché ? De qui parlez-vous, Léonard ? Comment aurions-nous pu tricher ? Vous... Payez, Steak Charmer. Maman, pourquoi m'as-tu abandonné ? Je suis ruiné. Allons-nous-en, Max. Léonard a besoin de rester seul avec sa maman décédée. Oui, allons voir si on peut jouer à Whack the Rats 10 millions de fois de suite sans s'évanouir. Enfin, fallait le voir, quoi, le cool, parce que quand t'es là, tu te dis pas, ah, tiens, il y a un truc sur le nu. Bon, donc du coup, on va pouvoir acheter le truc d'écoute et écouter le mot de passe. On veut faire des courses. Si, si, senor. Ok, Mr. Calaison. Voilà vos 10 millions. Par la Santa Madre de Matadores. Ce sont pas des dollars américains, ça. Non, mais il y en a 10 millions. On peut gagner des choses intéressantes chez Teddy Bear. J'accepte. En échange, voici... Los matériels d'écoute miniature. C'est un cafard. Exactement. Est-ce que ce truc fonctionne ? Est-ce que ce truc fonctionne ? Ça répond à votre question ? Bon, écoutez-moi, Troufion. Je suis un cafard. Lâchez-moi en territoire ennemi et je vous rapporte toutes les infos que vous voulez. Récupérez-moi ensuite et je vous répète tout, mot pour mot. Mot pour mot. On va te mettre dans des situations plutôt délicates. Tu sauras gérer ça ? J'ai fait le Vietnam, mon vieux. Tu peux pas savoir ce que j'ai vécu là-bas. Ils massacraient les coccinelles. Les coccinelles ! Et c'est pas tout. J'en ai vu tuer des larves. Des larves ! Alors oui, je crois que je peux gérer. Maintenant, faut que je pique un somme avant la mission. Mets-moi dans ta poche. Dans ta poche ! Plus vite, Troufion ! Chef, oui, chef ! Faut une option pour qu'il court. Ça valait 10 millions, un cafard qui parle. Où on va, Sam ? Au casino salle de jeu de Teddy Bear. Super ! Bienvenue au casino et maison de jeu garantie sans mafia de Teddy Bear. C'est ici, les machines à sous les plus généreuses de la ville. Un bandit manchot, insérez un jeton pour jouer. Toujours rien. On gaspille notre fric, Sam. Minute. Quel est le mot de passe ?
tout entendu? Oui, tout. Maintenant, écoute. Voilà ce qu'ils ont dit. Minute, quel est le mot de passe? Ça va bien faire 100 fois que j'ai franchi cette porte aujourd'hui. Et tu ne me reconnais toujours pas. C'est à cause des têtes d'ours, boss. Elles se ressemblent tout. Je lui ai fait une offre qu'il ne se refuse pas. Vous pouvez entrer. Mets-moi dans cette poche. Vite! Chef, oui, chef! Donnez-moi le mot de passe. Je lui ai fait une offre qu'il ne se refuse pas. Vous pouvez entrer. C'est tout? Où est la nourriture? Il y a forcément un buffet par ici. Eh, regarde, ça doit être Ted Hibbert. Où est-ce que vous croyez aller comme ça? Qui, nous? On jette un œil. On n'aime pas trop ça par ici. Je suis Chuckles, le chef de salle de ce casino. Je vous ai à l'œil. Vous nous observez depuis longtemps? Assez, oui. Est-ce que j'ai l'air plus grand qu'il y a des minutes? Votre façon de gagner au poker était, disons, originale. Pourquoi? Qu'est-ce que vous insinuez? C'était du bon travail. Vous avez aussi réussi à obtenir le mot de passe pour accéder ici. Bien vu. Je suis impressionné. La mafia des jouets a besoin de gars comme vous, avec beaucoup de cervelle et peu de scrupules. Ça vous intéresse? Quelle mafia? Exactement. Je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Du moins au cours des 5 prochaines minutes. J'ai toujours voulu être un gangster. Officiellement, je veux dire. Le fait que vous ayez déjà vos propres costumes d'animaux prouve votre sens de l'initiative. Mais avant de vous accepter dans la famille, j'ai 2 boulots pour vous. Chuckles, mauvaise nouvelle. Le véritable sandwich à la viande a été volé. Ah, ben j'ai 3 boulots pour vous. Quel genre de boulot? Oh, la routine. Je veux que vous intimidiez quelqu'un, que vous refroidissiez quelqu'un et que vous récupériez quelque chose qui nous appartient. Qui doit-on intimider? Un commerçant du coin qui refuse de prendre notre marchandise. Apportez-lui ses nounours spéciaux et assurez-vous qu'il les dispose sur sa table de solde devant sa boutique. Pas de problème. Le magasin s'appelle Escroc Marché. Magasin de Bosco. Pas de problème. Qui doit-on refroidir? On a un problème avec un témoin qui refuse de voir. Oh, c'est Sibyl. Notre point de vue. Réduisez au silence une certaine Sibyl Pandémie. Silence comme dans Bayonnet? Bayonnet avec une balle, oui. Vous voulez qu'on tue Sibyl? Faites ça salement. Que ça serve de message aux autres. On la surveille, alors on vous surveillera aussi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on récupère? C'est ce vieux sandwich moisi? Le sandwich à la viande originelle a une grande valeur sentimentale pour notre organisation. Je veux que vous le récupériez avant que la crapule sans honneur qu'il a volé ne le refourgue à une autre vermine. Ça fait détective. Faites ce que vous voulez du voleur. Nous tenons à pouvoir avancer de plausibles dénégations. T'as vu Mister Amé jouer à un point and click quand il était bloqué, demander l'aide du chat en le mettant en emote only. Jean devait lui faire comprendre la solution en utilisant les emotes. Oh ouais. Ah, dites-moi comment vous voulez qu'on tue Sibyl. Faites ça salement, plein de sang. On surveille. Je crois que j'ai compris. Faites ces 3 choses, Sam et Max, et vous serez comme nous. On aura la même façon de parler? Membre de la mafia des jouets. Ah, d'accord. Le tapis est assorti aux tentures? Les tentures? On en reparlera des rideaux, mon vieux. Non, ça va aller. Peut-être que son hobby, c'est la déco intérieure, Sam? Non, prenons pas le risque. On veut parler à votre patron. Personne ne parle à Don Bear, le chef de la mafia des jouets. Il se sent pas un peu seul? Sauf les autres membres de la mafia. Ah. Oh, ça explique tout. On va revenir. Un conseil, parce que je vous aime bien. Si vous tournez le dos à la mafia des jouets, surveillez vos arrières. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est à moi.
patouche. C'est incroyable comme ces types ont l'air menaçants en dépit de leur masque de nounours. D'ici, on peut surveiller tout le casino. Et quelques autres endroits. Ou regardez la petite maison dans la prairie. Qui vous a parlé de ça? Défense c'est... d'entrée sous peine de mort douloureuse. Signé Don Ted Hibbert. Tu crois que la taupe est là, Sam? Peut-être, mais c'est trop inquiétant pour risquer le coup. Ok. Merci pour le follow, Spinxota. Alors, la Sibylle, est-ce qu'on va lui mettre du ketchup sur le... sur le t-shirt? Alors lui il est parti, ça y est. Lui il est parti aussi. Le véritable sandwich à la viande a disparu. C'est pas moi. Faut juste la refroidir, un petit coup de clim et c'est bon, oui. Est-ce que j'ai des choses dans mon bureau que je pourrais utiliser d'abord? Parce que là... On... Montre-moi le fric. Montre-moi le sandwich. J'ai bien fait de venir. Toi, tu montres l'argent. Non, toi tu montres le sandwich et je te montre l'argent. Je vais le faire, promis. Montre-moi. C'est un faux pistolet. Salut, ordure. Tu essaies de fourguer quelque chose, Léonard? Comme un sandwich à la viande, Léonard? Un sandwich que tu aurais volé, Léonard? N'approchez pas, sinon je jure sur le couvre-lit de ma mère que je vous tue. Pardon? Serais-tu en train de nous menacer avec un pistolet à amorce? Tricheur un jour, tricheur toujours, hein, Léonard? Comment? Pas du tout. À l'attaque, petit. Eh ben, c'est pas trop tôt. Oh! Oh! Maman! Léonard, tu comptes nous dire où est le sandwich? Ou on va être obligé de se fâcher? Hein? Dis qu'on se fâche! Dis qu'on se fâche! Je ne parlerai pas. Psychopathe. Vous ne pourrez jamais m'y obliger. Jamais! Ta maman, est-elle ce que t'es devenue? Ne parlez pas de ma maman. Ma maman est une sainte. Est-ce que c'est la sainte des plats frits sous vide? Parce que je lui mettrais bien un cierge à celle-là. Attends, Max. Je crois qu'on tient le point faible de notre prisonnier. Lequel? Sa diction à tonne ou sa grammaire approximative? Non. On va frapper ce mollusque tricheur là où ça fait mal. En plein dans sa maman. Pardon? Ouais, Max. C'est le moment de sortir les blagues de ta mère. Non, non, pas ça. Tout, mais pas ça. Léonard, ta mère est tellement grosse... tellement grosse... Ah, nom d'un bol de lait de chèvre! J'oublie toujours la fin! C'est drôle! Moi, je retiens toujours la fin, mais jamais le début! Oh, Max, on va devoir faire équipe sur ce coup-là. Suis-moi. Ta mère est tellement moche... que quand elle va à la banque, il coupe les caméras! Oh, c'est vrai! Ça marche. Continue, petit. D'accord. Faire pleurer les hommes mûrs, un passe-temps pour toute la famille. Ta mère est tellement bête. Qu'elle tricote sans aiguille. Quoi? Mais ça ne veut rien dire. Oups, on l'a refait. Bon, on l'a refait. Ah. Ta mère est tellement vieille. Que son numéro de sécu est en chiffres romains. Hey, c'est censé me rendre malheureux. On la recommence. Non, bah non, c'était marrant pourtant. Ta mère est tellement ridée.
qu'on la prend pour un cobaye. Ça fait mal. Ça fait mal. Ouais, il est bien entamé. Ne le relâche pas, continue, petit. Ok. Ta mère est tellement maigre. Qu'elle visse son chapeau. Ça n'a aucun sens. C'est quoi comme insulte, ça? On la recommence. Ta mère est tellement ponctuelle. Il y a un truc avec une... Qu'elle était en avance à son enterrement. Oh, maman, fais que ça s'arrête. Il vient tout rouge. Craquer, continue, petit. Oui. Ta mère est tellement vieille. Qu'elle dit merci à l'horloge parlante. Quoi? Mais ça ne veut rien dire. Oups, on l'a refait. Non, mais elle est tellement bête qu'elle dit merci à l'horloge parlante. Elle est tellement bête. Qu'elle dit merci à l'horloge parlante. Oh, stop! Assez! Arrêtez! Tout ça va s'arrêter si tu nous dis où est le sandwich. Non! Je vais lui en mettre une couche, Sam. Ta mère est tellement vieille. Qu'elle a failli t'appeler Sam. C'est censé me rendre malheureux. On la recommence. Bah alors. Ta mère est tellement vieille. Qu'elle tricote sans aiguille. C'est quoi comme insulte, ça? Mais non. On la recommence. Pourtant, le coup des chiffres romains, c'était marrant. Ta mère est tellement maigre. Qu'elle tricote sans aiguille. Ok, ok. Je vais vous dire où est le sandwich, mais laissez ma maman tranquille. Bien sûr, Léonard, jamais on manquera de respect envers ta mère défunte. J'ai jamais sorti le sandwich du casino. Je l'ai caché dans le bandit manchot et j'ai enlevé son bras pour que personne ne l'utilise. Mais il est où le bras ? Qui amène à la question suivante. Où est le bras ? Le bras est là. Pff, le con. Si, crapule ! Comment on a pu ne pas le voir ? J'étais trop occupé à lui prendre son pistolet à amorce pour remarquer ce bras supplémentaire. On retourne au casino et on récupère ce sandwich. À plus tard, gros naze ! Hé ! Hey, vous me détachez pas ? Hello, les gars ! Jimmy ? Y a quelqu'un ? Le pistolet à amorce, est-ce qu'on peut le remplir de ketchup ? Ce serait marrant. Ah, j'ai vu un des... Des mafieux qui nous surveillent, là. Eh, on t'a vu, hein. Salut. Est-ce qu'il vous amène dans le coin, Code Libère ? Alors déjà, première chose. Non, ça marche pas. Et je voudrais des condiments. Ketchup, moutarde et un truc violet. Vaguement vu à la télé. Halte là, essayez-vous de livrer quelque chose. Je vous surveille, hein? Halte là, essayez-vous de livrer quelque chose. Je vous surveille, hein?
Hey Bosco. Comment marche le SDABT numéro 12 déjà? Si quelque chose est placé dans les magasins que la caméra anti-livraison ne reconnaissent pas, il est jeté dehors. Regarde dehors, c'est la mafia des jouets. Quoi? Où ça? Oh, Matou a raison. Il y a un mafioso qui fait semblant de lire les journaux. Il ne m'échappera pas. Le prix de la paranoïa est une vigilance sans faille. Oh, et c'est son déguisement de mafioso. C'était juste qu'un déguisement. Je dois voir ce qu'il lit. Si il prétend lire les infos locales, c'est qu'il est de la CIA. S'il lit les infos internationales, il est de la CIA. Vite, Sam, pendant qu'il regarde pas. D'accord, je vais... Ah. Nom d'un CPC 464. Je l'ai. Merci, petit. TPD, c'est peut-être un Illuminati. Quand Bosco est distrait, il l'est pour de bon. Alors, faut qu'on fasse quelque chose avec cette caméra. Tu veux pas aller dessus? Je ne veux pas entendre ça. Réfléchis, petit. Je devrais le garder pour moi. S'il fait semblant de faire des mots croisés, c'est qu'il est avec l'ordre de Malte. Livraison spéciale. Ouais, mange du bitume, la caméra. Les pages société, c'est un franc-maçon. Oui. Il fait semblant de lire la page jardinage. C'est donc vrai, il fait partie de la mafia des jouets. J'espère que Bosco restera notre ami après ça. Moi aussi, c'est un de mes deux parano-psychotiques préférés. Oh non! Oh non! Il entre! On est fichu! Ne t'y reste pas, ne t'y reste pas! Ah! Je vous avais dit que ça arriverait! J'avais dit qu'il livrerait, et il a livré! Ce type est incroyable! T'en fais pas, Bosco. On va t'aider à nettoyer ton magasin de cette contrebande mafieuse dès qu'on aura résolu cette affaire qui nous prend tout notre temps. Oh, tout votre temps? Vous avez passé la journée à traîner dans le magasin. Non. Je veux dire, on aime traîner! Bon, on est membre de la mafia maintenant? Non, faut qu'on s'occupe des civils. Notre voyage vers le côté obscur ne fait que comment. Une petite minute, mais pourquoi le SDABT2 n'a pas marché? Ah! Ma caméra! Non! Oh, cruel! C'est pas nous! Alors, Sibyl. Elle a une tasse, elle. Et, ah, donne-moi ta tasse, Sibyl. Alors, si tu permets, on va aller les remplir de ketchup. Oui!
Je peux avoir un cappuccino avec supplément ketchup? Tu me fais trop rigoler, petit. Mais je suis sérieux. Est-ce qu'on peut combiner des trucs? Non, hein, on peut pas. C'est pas le genre du jeu. Donc on va lui reposer sa tasse, tirer dessus pour lui en mettre plein le t-shirt et ça devrait marcher. Salut, Sybille. Personne. Ce n'est pas moi. Non, je suis quelqu'un d'autre. C'est comme Casimir. J'ai toujours su qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur de Sybille. Oh, Sam, Max, c'est vous. J'ai cru que c'était quelqu'un qui était venu pour me tuer. Ben... Qu'est-ce que tu fais avec ton bras? Hein? Oh, je croyais avoir une tasse de café. Il n'y a pas une minute, j'en avais... On va revenir. Je sais. Il n'y a que sur vous que je puisse compter. Wow. Elle devrait se trouver un boulot dans la culpabilisation la prochaine fois. Oh mon Dieu, merci. Je perdrais ma tête si elle n'était pas attachée. C'est pas ce qui m'arrête. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? On dirait qu'il l'a raté. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? On dirait qu'il l'a raté. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? On dirait qu'il l'a raté. Là, ça marche pas. Je vais pas lui... Mais elle boit son... elle boit son ketchup, elle. Excellent, rapide et sanglant. Les autres balances devraient comprendre le message. Ça me rappelle tout à fait le dîner d'hier soir. Hé, qu'est-ce qui est arrivé à l'image? Avec tout le respect, Don, on s'en fiche. Maintenant qu'elle est refroidie, c'est plus la peine de la regarder, non? Sans doute. Filambretzel Shuckles, ces scènes me donnent toujours faim. Vous êtes un vrai sociopathe, Don Bear. Bien entendu, c'est un compliment. Bien entendu. Hé, hey Sam, les webcams, ça a le goût de poulet. Bonne idée, vieux. Comme ça, ces mafiosi verront pas Sybille se réveiller. Ce qui n'est pas négligeable pour notre santé. Et on a appris que les webcams, c'est bon avec du ketchup. Encore un fait qui vient enrichir notre arsenal anticriminel. Hé, hey Sam, ça y est, on est des mafiosi. Non, il nous reste toujours cette histoire de sandwich à la viande. Ah ouais. On va peut-être lui expliquer pourquoi on a fait ça, non? Tu as l'air, et ça peut se comprendre, un peu tendu. Tu devrais passer au décaféiné. Ah oui, la tasse. Je n'ai plus de café, mais je suis si nerveuse que je continue à boire malgré tout. C'est drôle comme le stress peut vous réduire à une série de réflexes inconscients. C'est ce qui m'est arrivé. Ça serait pas formidable si c'était ça. On va revenir. Je sais. Il n'y a que sur vous que je puisse compter. Wow. Elle devrait se trouver un boulot dans la culpabilisation la prochaine fois. On va, Sam. Au casino salle de jeu de Teddy Bear. Super. Maintenant, on va pouvoir récupérer le sandwich. Bienvenue au casino et maison de jeu garantie sans mafia de Teddy Bear. Demandez notre programme spécial faillite personnelle.
Vite fait, bien fait, le manchot est emmanché. Yop, le sandwich. On a réussi. Voilà le sandwich à la viande. On devrait goûter pour être sûr. Thomaïne, non. Est-ce que cette machine vous a donné un lot? Elle doit être déréglée. Je vais la faire réviser. Côté positif, on a récupéré le véritable sandwich à la viande. Elle boucane votre sculpture. Je me demande comment on ne l'a pas senti depuis le centre-ville. Laissez-moi voir. Oui, c'est bien lui. Teddy Bear va être très content. Il a si faim? En général, oui. Bien joué, les gars. Suivez-moi dans l'arrière-salle. Il y a une petite cérémonie d'initiation. On va encore se faire tripoter les narines par des gars de la marine? Ferme ton claquoir XXL et suis-moi. Sam, Max, vous avez fait ce qu'on avait demandé. Chapeau, espionnage, nettoyage et intimidation. Vous êtes les bienvenus dans les rangs de l'Orso Nostra. Classe. Mon rembourrage se barre. Il y a une petite cérémonie avec le panier à pique-nique traditionnel et quelques autres détails techniques. Après, Joey va vous expliquer deux ou trois choses. Mais d'abord, en signe de respect, je vais retirer mon masque. Et c'est tant mieux, parce qu'on étouffe là-dessous. Ah, ça va mieux. Qu'est-ce qu'on pisse comme eau là-dessous? Non, d'une carpe à la broche. Vous êtes une taupe. En fait, vous êtes la taupe con. Est-ce que le tapis est assorti aux tentures? Les mots de passe, idiot! Ces types sont des policiers freelance! Et visiblement, ils ne savaient pas encore que j'ai changé de camp! Il a raison, Max. On n'a pas encore découvert ça. Minute! J'ai pigé que la taupe a trahi, sans doute pour le pouvoir et la fortune qu'offre la mafia des jouets. Mais qu'est-il arrivé au Teddy Bear précédemment? Oh, au Teddy Bears! D'après ce qu'on sait, le vrai Teddy Bear s'est étouffé avec un sandwich à la viande en 65. Ouais, bien vu! On court! Pas bête! Attrapez-les! On file à la voiture, pique! C'est quoi, une course-poursuite encore en voiture? Quelle horreur! Sam, je ne peux pas m'empêcher de remarquer qu'une bande de gangsters assoiffés de sang est sur notre talon! Ouais, j'ai remarqué. Le pire, c'est qu'ils ont ces nouveaux pneus increvables de chez Moroto. Non, d'une technologie moderne qui tourne affreusement mal. Alors, qu'est-ce qu'on a, nous? Rangez-vous! Ah non, j'oubliais que c'est nous qui sommes poursuivis. C'est même pas drôle. Les semer, par contre. Hein. Il y avait un truc avec le fait que la route est plus étroite à un endroit, mais... Bon, d'accord. Ça marche pas. Ça ne sert à rien. Même pas drôle. Pas question. Ah. D'accord. Ils y sont tous? Sauf un. Teddy Bear lui-même. Allons régler son compte à cette petite crapule une bonne fois pour toutes. Bonne idée. Attention, petit. Le boss est parti. C'est notre chance de découvrir ce que prépare ce traître d'ours taupe.
Tu sais, sans ces grommellements menaçants, il n'a pas l'air capable de préparer ne serait-ce que le petit déjeuner. Alors un plan machiavélique? Ouais, mais selon mon expérience, il y a toujours quelque chose qui se cache derrière les portes où il est écrit « Défense d'entrée sous peine de mort douloureuse ». Il a plein de cartes là-dedans avec ce qui ressemble à des itinéraires de camions à travers tout le pays. Intéressant, mais ça ne veut sans doute rien dire. Apparemment, Teddy Bear cache le détail de ses opérations ailleurs. C'est bon pour les experts comptables, ce truc. Ça fait zéro le rapprimant. Bah, comparé à celui de la semaine dernière, j'ai l'impression. Quand un gangster change de tête d'ours, il a le droit à un peu d'un... Note. Les objets dans les miroirs peuvent ne pas être la réflexion d'une personne vivante ou... Ah, bon. C'est quoi une tenue criminelle sans alcool accessible? Le bout du but. Hey, y a toute une usine de fabrication de nounours là derrière. Tu veux dire que la respectable activité de casino sert de paravent à l'univers sombre et interlope des fabriques de jouets? Ah, je suis scandalisé! Maman, vous êtes revenu? Incroyable! Mais n'approchez pas, hein. Je sais me servir de ça, hein. Je vais être honnête, c'est le revolver qui nous inquiète le plus. En effet, stupide de votre part. Car cet hypno-nounours va faire de vous mes esclaves. Vous bosserez dans mon usine maintenant que vous m'avez débarrassé de mes ineptes serviteurs. Regardez, regardez l'ours. Vous n'avez pas les paupières, lourdes. On devrait. Non, l'hypnose ne marche ni sur toi ni sur moi. Mais jouons le jeu tant qu'on n'a pas récupéré son arme. Je vous ai posé une question, esclave. Oui, mais... Prends vite, dormez. Pareil que lui. Vraiment, ça me paraît un peu bizarre quand même. C'est peut-être moi. Oh, je sais. Il y a un test. Toi, le grand. Qui le petit? Pardon, maître. Tu es ton ami. Je te l'ordonne. Ça me tue. J'obéis. Bonne mère, restons la fin du petit Maxi. Oh, mort, ce voile qui s'assombre. Ah, la douleur, la douleur. À deux jours de la retraite. Promets-moi d'enregistrer. Shérif, fais-moi peur. Allez pour moi. Promets-le. Ok, alors. Car le lâche qu'on a mis. Tandis que le héros ne meurt qu'une fois. Sauf si c'est un jeu vidéo, hein. Là, le héros, il meurt beaucoup aussi. Adieu, beau prince, et que les drôles de dames chantent des louanges sur ta tombe. Bien, donc si. Pourquoi elle si froid? Ok, bon travail, esclave. J'ai failli te demander de le tuer une deuxième fois. Oui, maître. Bon, esclave, tu fais tourner l'usine pendant que je vais lire mon journal. Prépare les ours pour la livraison. Tu les amèneras plus tard. Oui, maître. Bien, bien. Voyons un peu ce que le trait acéré de tes drôles nous réserve aujourd'hui. Max, ne bouge plus. Continue à faire le mort, je vais trouver un moyen de nous débarrasser de Teddy Bear et de son usine. Je ne t'entends pas, je suis mort. Alors, qu'est-ce que j'ai sur moi? Plus grand-chose. Sacré gadget. Insidieux. Je crois que ce sont les gadgets vocaux de ces saletés d'ours hypnotiseurs.
Max a failli boucher ce truc. Et pourtant, il est pas si gros que ça. Hey, c'est un faux extincteur! Abominable! Il se passe pas grand-chose. Sacré gadget! Insidieux! Ah, il y a un bandit manchot là. Qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un a besoin d'un bon coup de vis? Vous brûlez! Vous brûlez! Vous brûlez! Alors, si je mets ce gyrotruc chose dans ce zarbidroïde... Vous brûlez. Oh, comme c'est mignon. Je sais qu'elle est mariée maintenant, mais cette Cathy est super bonne! Oh, maître! Qu'est-ce qu'il y a encore, esclave? Vous brûlez! Je brûle! À l'aide! À l'aide! Je brûle! Je brûle! À l'aide! Je brûle! Je brûle! Il ne se passe rien! J'ai bien le dernier stade après danger, c'est bien court. Joué, ça. Merci, petit. Je crois que la taupe n'est pas aussi mince que toi. Regarde donc. Un coup de main. Je ne sais pas si c'est drôle ou menaçant. Qui dit que l'un exclut l'autre? Dis donc, c'est quelle couleur qui indique qu'il ne faut pas prendre de bain? Celle-ci, cours! Ça, c'est ce que j'appelle un casse. Oui, on a cassé le trottoir, l'égout et même la table du buffet. J'imagine que c'est pour la table de buffet où ça te fait le plus mal, hein, Max? C'était la seule innocente de cette affaire. À part, bien sûr, les passants et leurs animaux. Oh, saisis-toi, petit. Le commissaire va peut-être nous offrir un bon restaurant quand il apprendra comment on a résolu cette affaire. Il a intérêt. Pour tout le mal que je me suis donné, je veux deux... Non, trois lémuriens engelés avec supplément de sel. Ici l'agent secret Chuckles. L'usine a été détruite. Je répète, l'usine a été détruite. Lancez le plan B. Eh ben voilà. Histoire qui se déroule sans accro. Il n'y a pas eu de yadi yadi yada et de bla 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 bla. Ça a été rapide. Et ben du coup, on va s'arrêter là. On aurait pu rester encore 3 minutes à trouver le Dead Mirror du clown. Ouais, j'avoue. Hein. J'aurais pu tourner un moment. Hein. Donc ce soir, on reprend Plague Tale. Et la semaine prochaine, samedi prochain... je pense qu'il y aura eu l'update de My Time at Sandrock, donc il se peut qu'on joue à ce jeu-là l'après-midi.
Il y a une date le 30, je crois. En tout cas, c'est ce qui est prévu sur Steam. Avec des trucs en plus sur Logan et compagnie. Qui continue le solo, ouais. Donc, ouais, ça pourrait être ça à la place de Sam et Max. Et puis voilà. Donc là, on va s'arrêter. Retour à 21h. Le prince du goûter 1.5. C'est ça. Oui, ça va mieux. Bah, le week-end dernier, j'avais mal à la tête avant même de commencer Sam et Max. Hein, donc... J'étais vraiment pas bien. Et puis là, j'ai acheté des cachets. Ça aide aussi. Bon, donc du coup, on s'arrête ici. Bon appétit. Et on se retrouve à 21h. À tout à l'heure.